Vous voilà, messieurs, arrivés à la fin de votre progression. La base école de Chambéry vous a transformé en pilote d'hélicoptère. Demain, vous rejoignez vos formations. Tout l'enseignement de votre stage prendra alors sa vraie valeur. Avant de vous souhaiter bonne chance, j'aimerais que ce mot de Sikorsky règle votre ligne de conduite. L'hélicoptère est la seule machine volante qui ait sauvé plus de vies humaines qu'elle n'en a coûté. Capitaine, le sergent d'Archie est blessé à la tête, il faut l'évacuer d'urgence. Bon, fais demander un hélicoptère au bataillon. Je m'occupe du blessé, tu me rejoins. Vite, demande un hélicoptère au bataillon. Allô, Apocalypse Vert vous appelle. Allô, Apocalypse Vert vous appelle. Demande évacuation urgente hélicoptère pour un blessé à la tête. Je répète. Un blessé crânien sur Alger. Estime mon arrivée dans 10 minutes environ. Je répète. Ici ventilateur 25, évacuation sanitaire. Alger Maison Blanche, ici Broussard 79 en évacuation sanitaire avec un blessé crânien à bord. Estime mon arrivée dans 15 minutes. Vous demande atterrissage sur petite piste pour transbordement du blessé dans hélicoptère. Avez-vous bien compris? Répétez. Ici Alger Maison Blanche, bien compris. Broussard 79 en évacuation sanitaire avec un blessé crânien à bord. Arrivé dans 15 minutes. Atterrissage accordé sur petite piste. L'hélicoptère vous attend.
ventilateur 13. Estime atterrissage des aides Cerdan dans 3 minutes. Prévoir ambulance pour hôpital Maillot. Je répète. De la montagne, au centre de la ville, pas une minute n'a été perdue. L'intervention rapide de l'hélicoptère, sa coordination parfaite avec tous les moyens mis en œuvre, ont permis aux blessés d'arriver dans le minimum de temps dans un grand centre hospitalier. Une vie humaine a été sauvée. Quotidiennement, en tout lieu, en toutes circonstances, l'hélicoptère remplit sa mission de sauvetage. Seul, au milieu de la mer, sur un rocher d'accès difficile, deux hommes attendent. L'un d'eux souffre d'une crise d'appendicite aiguë. Opération Escadre, ligne qui en vue avec 4 hommes à son bord.
Équipe sauvetage, OK. L'opération escadre à Vleu 5, message bien compris, mettons tout en œuvre dès votre arrivée. Terminé. Pour les naufragés, la bouée de sauvetage tombe désormais du ciel. Chaque année, la montagne connaît ses drames. Malgré le courage et le dévouement des équipes de secours, des blessés meurent, faute de pouvoir être repérés et évacués à temps. Avec l'hélicoptère, l'impossible peut être tenté. Sa participation aux opérations de sauvetage en montagne a permis de multiplier leur efficacité. Et chaque année, s'inscrit sur la neige un glorieux bilan pour les pilotes et les appareils. Un grondement dans la nuit. Un lac entier se précipite vers la mer, traçant dans la campagne un inhumain chemin de ruines. Le jour s'est levé sur une tragédie. Des centaines de morts, des centaines de blessés, des milliers de sinistrés. Chaque minute compte. L'hélicoptère est là, inlassable Saint-Bernard, dans le lit démesuré du torrent, transportant les blessés, ravitaillant les sinistrés. Ces quelques exemples doivent rester gravés dans vos mémoires. Demain, messieurs, vous allez être dispersés aux quatre coins du ciel. L'école de Chambéry, elle, cette école qui forme tous les pilotes d'hélicoptères de l'armée de l'air, va recevoir une nouvelle promotion. Dans le décor grandiose qui l'entoure, le travail aérien se poursuivra, afin que demeure toujours vraie la citation de Sikorsky, l'hélicoptère est la seule machine volante qui a sauvé plus de vies humaines qu'elle n'en a coûté.